Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de dimanche soir. Soyez bénis. Bonjour, bonjour, mon père. Shalom, shalom. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Je viens encore ce matin, ce jour, pour témoigner des bienfaits que Dieu a fait dans ma vie. Je vais témoigner de la guérison totale que le Seigneur Jésus a accomplie dans ma vie encore en ce jour. La guérison de mon nerf sciatique que je souffrais avec depuis 9 ans. Ce nerf sciatique m'a secoué toute ma vie. Quand ça me prenait jusque la hanche, jusqu'à mon cheville, je ne pouvais même pas poser les pieds sur le sol. Mais toutes mes prières, même pour me mettre à genoux, c'était tout un problème pour prier. Mais je me forçais tout le temps à me mettre à genoux, car je croyais à la puissance du Saint-Esprit, je croyais à la puissance de Jésus-Christ Nazareth. Un matin, j'ai fait ma prière et j'ai senti ça droit au niveau de ma hanche, de ma cuisse, jusqu'à la descente de ma cheville qui chauffait. Ça a tellement chauffé et après, c'est comme si on m'avait versé de l'eau glacée dessus. Et je rends grâce au Seigneur pour tout ce qui s'est fait dans ma vie. Je rends grâce au Seigneur pour sa guérison et pour tout ce qu'il continue à faire dans ma vie encore en ce jour. Le Seigneur est merveilleux. Je bénis aussi Christ. Ce temps par qui le Seigneur passe pour nous édifier, pour nous guérir. Je bénis sa femme. Je bénis le groupe Kangoka. Shalom, je témoigne. Merci. Amen. Bonjour. Les voies de Dieu sont insondables. Je témoigne en ce jour pour sa gloire et ses bienfaits dans le monde. Je suis du Cameroun. Je pensais que j'avais atteint le summum de la croyance en Dieu. Seulement, je me suis rendu compte que tout était confus en moi, que je ne savais pas prier malgré ma foi, et ce, après la découverte de Kangoka. Un jour, je m'arrête chez ma petite voisine d'à côté qui vend les vivres avec sa maman. Je lui parle. Seulement, elle a les écouteurs aux oreilles et me fait répéter ce que je disais. Elle finit par libérer un côté, une oreille, et peut ainsi m'entendre. Je lui demande ce qu'elle écoutait de si intéressant et elle me dit qu'elle écoutait Kangoka. Après de brèves explications, plus tard, j'apprends que sa maman, qui priait avec Kangoka, avait guéri du cancer alors même qu'elle faisait déjà de la chimio. Une semaine plus tard, je me rends par la suite chez ma cousine pour une semaine de vacances. Je lui demande si elle a jamais entendu parler de Kangoka. Elle me dit qu'elle avait peur de m'en parler. Elle me dit qu'elle a été délivrée de sa maladie qu'elle traînait depuis tant d'années. De chez elle, donc, je commence à suivre Kangoka d'une façon assidue. J'en suis émerveillée, captivée. Je me rends compte de la simplicité et de l'efficacité des enseignements dont les pratiques deviennent plus faciles pour vivre, suivre et rester avec Dieu. Les témoignages sont très poignants. Nous sommes en novembre. La prière du 28 est celle qui va transformer toute ma vie. J'avais promis au Seigneur que je ne fumerais plus. Malheureux et triste a été mon constat de voir que j'avais même triplé la dose. Dès que l'homme de Dieu a commencé la prière après les témoignages, j'ai dit à Dieu que, pour la gloire de son nom, qu'il me fasse aussi être du côté de ceux qui témoignent, malgré mon état de pécheresse. Ma demande a été exaucée instantanément. Car figurez-vous, je fume depuis 1978 et je n'ai arrêté de fumer que 2 ou 3 fois pour de courtes périodes et parce que j'étais menacée par le mal du cœur et je devais ainsi courir chez le cardiologue, qui, la deuxième fois, m'a dit qu'il ne me recevra plus et que j'aille mourir chez moi si je veux. Je suis cependant allée le revoir la troisième fois. J'ai dû le chercher car il avait pris sa retraite. Dimanche le 29 et les jours suivants, je me suis rendu compte
que la cigarette n'était plus à l'ordre du jour, qu'elle ne me manquait pas jusqu'à ce jour. Oh, mon premier réflexe, ma première pensée après la prière matinale, c'était la cigarette. Incroyable, mais vrai, Jésus m'a libéré. Je ne compte pas. Ma vue s'est améliorée progressivement. Je peux regarder la télévision sans lunettes alors que tout était complètement flou avant. 4 fois au moins, j'allais aux toilettes de nuit. Ça aussi, ça s'est arrêté. C'est en écoutant les témoignages à cet effet que j'apprends que c'est un problème, alors que je vivais péniblement cette situation sans trop savoir quoi en faire. La constipation chronique est passée. Aussi, j'avais un gros problème de vente de ma maison qui était bloqué. Problème de terrain avec les autochtones et tout ce qu'on peut trouver comme problème de terrain. Il s'est débloqué complètement. Je n'espérais plus, malgré ma confiance au Seigneur, que je remercie pour toutes ses grâces. Que son nom soit sanctifié. Que dire? Je crois que le merci ne suffit pas. Béni soit tout ce que Dieu a mis sur ma route pour connaître Kanguka et toute son équipe. Sois béni, Christ, toute ta famille avec et toute ton équipe, ainsi que tous ceux qui témoignent pour le salut de tous. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ce jour rendre mon témoignage. En effet, en 2021, j'ai découvert Kanguka sur Facebook. J'avais eu à télécharger, mais par la suite, j'ai supprimé. Bon, parce que je ne suivais pas, je me suis dit que l'application a envoyé mon téléphone pour rien. Mais en novembre 2022, mon frère qui est en Belgique me faisait encore part de ça et témoignait de tous les bienfaits qu'il a eu à travers les prières, les témoignages, les enseignements et tout et tout et tout. C'est comme ça que moi-même j'ai téléchargé l'application. Je vous assure que la première émission que j'ai écoutée, c'était la prière du samedi. Et tout celle était la prière du samedi. Et ce jour-là, moins que les témoignages ne finissaient, j'ai commencé à manifester. Je me tapais la tête, je tirais les cheveux, je me traînais partout. Donc je mettais des bruits comme le serpent, je faisais des bruits bizarres. Et je disais en même temps, je lâche. Je traînais mon corps partout. Jusqu'à ce que les témoignages finissent, la prière finisse, j'ai remis encore une deuxième fois la même chose, mais cette fois-ci c'était en moi. J'ai remis une troisième fois. Cette fois-ci, je n'ai plus rien ressenti. Là, je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir visité ce jour. Je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir libéré de cet esprit. Ça, c'est mon premier témoignage. Je me lamentais aussi tellement. Je me lamentais beaucoup. J'étais toujours triste, toujours à me demander ce que j'ai fait au Seigneur pour qu'il ne me donne pas ci ou ça. Bon, parce que quand je regardais ma génération avec qui j'ai eu à grandir, tous ont eu une situation assez plaisante. Du coup, je passais mon temps à me lamenter, pleurer. Donc, j'étais étouffée en fait. Mais depuis que je suis Kanguka, peuple de Dieu, j'ai vraiment une vie saine, une vie plus tranquille, donc je ne me lamente plus. J'ai vraiment la paix du cœur et les choses vont pour le mieux. Ça, c'est mon deuxième témoignage. Le Seigneur m'a tellement restauré que si je veux seulement parler ici, vraiment, je ferai des heures et des heures. J'avais tellement de mots que moi-même, j'étais dépassée. J'avais mal à la poitrine, j'avais de ces petits malaises, j'avais des infections, j'étais tellement mal dans ma peau, tellement mal. Je paraissais vieille, tellement que... Bon, mais j'étais dépassée quand je me regardais dans un miroir. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a restauré, je suis une nouvelle personne. De toutes les manières possibles, le Seigneur m'a restauré. Je dis merci au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Je dis merci au Seigneur parce que aujourd'hui, je me sens bien. Je ne peux plus sortir de la maison
sans remercier le Seigneur, sans confier ma journée au Seigneur. Je ne peux pas dormir sans suivre ton. Je suis tellement kangouka que je reste comme seulement la chanson de kangouka. Dans mon travail, partout, je suis seulement kangouka. Vraiment, peuple de Dieu, je vous assure, suivez kangouka. Il y a vraiment Dieu, vraiment, il y a vraiment Dieu dedans. Je remercie vraiment le Seigneur. Que toute la gloire le revienne de l'éternité en éternité. Je remercie l'équipe de kangouka. Je remercie tous ceux qui rendent témoignage parce que vraiment les témoignages fortifient. Les témoignages édifient, les témoignages donnent la force. Merci, merci, merci. Peuple de Dieu, bonjour et bon début de semaine. Peuple de Dieu, je suis camerounaise vivant au Maroc. J'ai connu kangouka par le canal de ma maman qui insistait beaucoup, beaucoup que je suive kangouka puisque je n'étais plus auprès d'elle. Dernièrement, mon esprit me dit, tiens, comme tu es déjà sur le point de départ, écoute kangouka. C'est comme ça que je commence à écouter kangouka, je crois vendredi, le 2. Je suis les témoignages, je commence à bailler, je commence à cracher, je suis les témoignages, je crache, je baille. Samedi le 3, je baille, je baille, je baille, je baille, je crache, je crache, je crache. Quand le pasteur a commencé à prier, il a dit, je vois une famille liée de sorcellerie, une fille qui est liée à la sorcellerie, ça fait 22 ans. Je vous assure, peuple de Dieu, j'ai manifesté. Oh, gloire à Dieu. J'ai manifesté. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai manifesté l'esprit. J'ai commencé à bouger sur le lit, à me tordre, à me tordre, à me tordre. Une voix est sortie en moi, commence à dire, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Tu as une grande dame. Tu as une grande dame. Ma main tremblait. Et puis, quand la prière finit, j'ai remis 2 à 3 fois, puis c'est passé. Mardi qui suivait, j'ai pris un jeûne de 3 jours parce que je disais, ah, je suis sur le point de départ. Il faut que je remette mon voyage entre les mains de Dieu tout, tout, tout. Et je veux me rapprocher de lui. J'ai fait mon jeûne de lundi à jeudi. Toute la semaine, je suivais les témoignages. 4 heures, je suis debout, je suis la prédication. 11 heures, je suis debout, j'écoute les témoignages. 19 heures, pareil, j'écoute les témoignages. Toute la semaine, j'écoutais les témoignages. Je baillais dans tous les témoignages, je baillais, je manifestais, je baillais, je manifestais. Quand mon jeûne est fini, j'ai dit, j'ai prié. Je prie à 15 heures quand je me réveille, je prie à minuit, tous les minutes, je prie. C'est comme ça que samedi le 10, mon esprit me dit, ne dors pas, patiente, tu reçois ta délivrance. Quand les témoignages ont commencé, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'écoutais les témoignages, j'ai commencé à cracher, à bailler, à cracher, à bailler. C'est comme ça que je me suis couché sur le tapis au sol, parce que je sentais qu'aujourd'hui, je devais être libérée. C'est comme ça que quand j'écoutais les témoignages, quand le Christ a commencé à prier, une voix a commencé à se manifester. La voix parlait à ma langue maternelle. Il appelait mon nom. Je sors, ne me tue pas. Ansam, je sors, ne me tue pas. Je laisse ton avenir. Je sors, le feu me brûle, je te laisse, je sors. Je vous assure, peuple de Dieu, j'ai manifesté, je tremblais. Et mes mains avaient l'air. Vous voyez un peu quand quelqu'un a envie de s'envoler, mes mains manifestaient comme si la personne voulait s'envoler. J'avais l'impression que mes mains étaient téléguidées. C'est comme ça que j'ai commencé à parler. Je laisse le peuple de Dieu. C'est comme ça que l'esprit est parti. Je suis restée fatiguée. Je suis restée couchée. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. J'ai commencé à dire, Seigneur, merci. Merci pour ta délivrance. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Et puis, j'ai remis encore la prière 4 fois. Je ne manifestais plus. Mais je suis restée toute la journée du samedi. J'avais les nausées. Toute la journée, j'ai craché. Toute la journée, plus qu'une femme enceinte. Toute la journée, j'ai craché, je baillais, je crachais toute cette journée. Maintenant, j'ai continué mes prières. Quand je me réveille, je prie minuit, tous les minuits, obligatoire, je suis debout, je prie. J'attends les témoignages et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que
la prédication que Christ a fait. J'étais au rendez-vous, j'ai écouté, j'ai fini d'écouter. Et puis, mon esprit me dit, va un peu écouter telle prédication, mes frères et sœurs. La prière du samedi, je crois le 25, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai recommencé à bâiller. J'ai commencé encore à bâiller, à bâiller, à bâiller, à bâiller, à bâiller, à cracher, à vomir même. Les vomis sont sortis. Et c'est comme ça que subitement, j'ai commencé à gratter mon visage. J'ai commencé à déchirer ma peau, déchirer mon corps jusqu'à j'ai ouvert mes pieds. J'ai commencé à déchirer, déchirer, couper. J'ai commencé à couper au niveau de mes pieds, là, entre la plante de mes pieds et au niveau de mes pieds, là, j'ai commencé à découper comme si je coupais quelque chose. J'ai commencé à couper, découper, c'est des trucs entre ma main et mon bras. J'ai commencé à couper, j'ai commencé à lever certaines choses et cahier. Je sais pas ce que j'enlevais, comme un masque que j'enlevais. Tout le monde a prié, les témoins, c'était fort. J'ai commencé à déchirer mon visage, déchirer, déchirer. Dieu merci, je n'avais pas les ongles. J'ai commencé à me déchirer, j'ai commencé à me déchirer, j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à me déchirer le corps. J'ai ouvert mes pieds, déchiré. C'est comme si je déchirais quelque chose sur moi. J'ai déchiré mon corps. J'étais tellement. C'est comme si j'enlevais quelque chose sur moi. Un masque ou un voile, je ne sais pas trop. L'autre là, je sais que Dieu est en train de me délivrer. Dieu est en train de me délivrer de tout ce que l'ennemi avait mis dans ma vie. De tout ce que l'ennemi avait mis dans ma vie. Dieu est en train de me délivrer. Pour ça, je le rends gloire. Je le bénis. Merci Seigneur. Le jour de la délivrance du samedi, en journée, quand je dormais, puisque quand j'ai fini la délivrance, je me suis couchée, j'ai fait un rêve. C'est un rêve. Dans le rêve, j'étais en train de crier le feu, dans le rêve, un esprit criait le feu, ne me tue pas. Donc la même délivrance s'est produite dans le rêve. La même délivrance qui s'est produite dans le physique, je l'ai vue dans le rêve. Et puis dans le rêve, j'ai vu comme si quelque chose se décapitait de ma main. Comme si on a quelque chose, dont une boue qu'on avait mis sur ma main, ça s'est décapité dans ma main. Quand je me suis réveillée du rêve, j'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu, j'ai glorifié Dieu parce que je sais qu'il continue même de me délivrer dans le spirituel. Gloire à Dieu, vraiment. Parce que ma délivrance de samedi, vraiment, Dieu m'a visité. Ma délivrance de tout de suite que je viens d'écouter. Je ne voulais pas témoigner maintenant parce que je voulais d'abord finir tout mon voyage, mais j'ai dit non. Si Dieu est capable déjà de me délivrer de tout, ça veut dire qu'il est capable d'accomplir mon voyage. Tout est entre ses mains. C'est pour ça que je suis venue témoigner de la grandeur de Dieu. Le Seigneur m'a délivré de la sorcellerie dans notre famille. Et il faut noter qu'il y a une seule personne qui m'appelait comme ça dans ma famille. La façon de m'appeler, c'était ma femme arrière-grand-mère qui est décédée l'année dernière en avril. La façon dont elle m'appelait, la façon dont l'esprit parlait samedi, qui m'appelait par mon nom, qui disait Antam, c'est la façon là que mon arrière-grand-mère m'appelait de son vivant. Il n'y a personne d'autre qui m'appelait comme ça dans la famille. Donc quand je me suis réveillée, j'ai compris que ça c'est mon arrière-grand-mère qui est décédée. Parce que c'est elle qui m'a toujours hantée, même dans mes sommeils je la vois, même dans mes sommeils je la voyais. Même dans mes sommets, malgré qu'elle soit déjà décédée, même dans mes sommets, je la voyais, peuple de Dieu. Que Dieu continue à bénir le pasteur et ses intercesseurs. Que Dieu leur donne la force, que Dieu leur donne le courage de continuer toujours à prier pour nous. Pasteur, je vous dis merci. Je vous dis merci à votre femme et votre famille. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse pour tout ce que vous faites dans ce monde. Vraiment. Merci Seigneur, que toute la gloire et l'honneur lui soient rendus. Merci Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, bien-aimé, donc Konguka. Je viens aujourd'hui partager ma joie avec vous. Je viens bénir le nom de Dieu au travers de ce témoignage. Je suis une jeune Gabonaise. J'ai reçu Konguka en décembre. Je vous assure que j'ai traversé des moments difficiles. Le papa de mes enfants avait été envoûté par une femme qui lui a fait des médicaments. Il m'a abandonné dans la maison avec notre nouveau-né. Il est revenu du voyage. Il n'avait plus cherché à savoir comment j'allais avec les enfants. Il est directement allé s'installer avec la fille et ses 4 enfants. Il est devenu méconnaissable. Il n'avait plus d'amour pour moi et les enfants. Tous pour lui étaient juste cette femme et ses enfants. Un jour, ma tante m'envoyait l'audio. Elle me dit, ma fille, écoute cet audio et prie avec l'homme de Dieu.
Elle me dit, prie avec l'homme de Dieu. Je vous assure, j'ai commencé à prier avec Christ. J'ai prié. Le samedi qui suivait, c'était samedi 22. Pendant que j'étais à genoux en train de prier, demandant à Dieu de ramener mon homme à la maison, Christ a sorti une parole de connaissance en disant qu'il y a une femme qui avait été abandonnée par son mari. Son mari l'a abandonnée avec des enfants. Il est maintenant avec une autre femme. Mais l'Éternel dit qu'il ramène ton mari. Je vous assure, bien-aimés, j'ai eu la manifestation instantanément. J'ai commencé à vomir la glaire. J'ai vomi. J'ai fait 3 jours, je crachais comme une femme enceinte. Pendant que j'étais dans la chambre, j'ai ressenti, on dirait, on m'a poussé. Je suis tombée. J'ai commencé à vomir, je vous assure. Ce n'était pas facile. J'ai subi pendant ces 1 an qu'il était avec cette femme. Les attaques, ce n'était pas facile. J'écoutais toujours les enseignements. J'écoutais toujours les prières. Je priais toujours avec Christ. Mais je vous assure, Dieu est merveilleux. Le même Dieu d'hier, aujourd'hui et pour toujours. Cet homme est revenu dans ma vie. Le 9 janvier, j'ai été surprise lorsqu'il m'a appelé. Il m'a dit, maman, je suis à la route avec mes bagages. Viens me chercher. Je vous assure, mon Dieu, il a essuyé mes larmes. Il a enlevé la tristesse. Il a enlevé l'humiliation. Il a enlevé le mépris. J'ai subi toujours des paroles, toujours de mépris. J'ai failli mourir à cause de cette femme et ses attaques diaboliques. Je vous assure qu'aujourd'hui, il est revenu à la maison. Il est avec moi et les enfants. C'est pour dire à un frère ou une sœur de ne pas désespérer. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Je n'ai pas subi quel genre de paroles de découragement. On m'a même demandé de changer ma manière de prier, de demander à Dieu de m'envoyer un homme qui va prendre soin de moi et de mes enfants. Mais j'ai dit, Seigneur, tu as dit au travers de la bouche de Christ que tu ramènes mon homme, Seigneur. Alors tant que ta promesse n'a pas encore fait effet dans ma vie, Seigneur, peu importe, Seigneur, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que je voie, Seigneur, ta promesse accomplie dans ma vie. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Je voulais partager ça avec vous. Je bénis Christ. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous ceux qui vont écouter ce témoignage. Que la gloire de Dieu soit notre partage à tous. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.